bienvenue sur GameTest TV, c'est Akira, donc un spécial cooking aujourd'hui. Je vais cuisiner des nouilles chinoises yum yum. Voilà, des nouilles chinoises, ça a l'air bon hein, le dessin, super. Enfin bref, c'est une émission spéciale, donc pour introduire peut-être une future émission que je veux faire, c'est-à-dire des vraies recettes japonaises. Donc ça sera marrant parce que je ne sais pas cuisiner et de me mettre dans la cuisine, ça sera peut-être marrant. Voilà, on va voir comment se cuisinent ces nouilles yum yum que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces, rayon asiatique. Donc voilà. Alors tout d'abord, on ouvre le sachet pour voir ce qu'il y a dedans. Donc ce que l'on trouve à l'intérieur du sachet. Oula, hop, un petit sachet. Alors sûrement, vu que c'est au curry, c'est bien le curry. Et les nouilles qui se présentent sous forme de carré comme ça. Voilà. Donc on va faire cuire tout ça. Hein. Voilà, on porte à ébullition de l'eau et on y met les nouilles yum yum à cuire. Et on verra tout à l'heure quand elles seront prêtes. Ensuite, pour améliorer le tout, je vais mettre deux boulettes de poisson dans une autre casserole. Une fois que celle-ci est à ébullition. Voilà, on fait attention de ne pas se brûler les doigts surtout. Et on attend 3 minutes pour les boulettes, normalement c'est bon. Alors surtout de temps en temps, donc j'ai dit 3 minutes pour les boulettes poisson, mais voilà, allez-y avec une fourchette et plantez-la dedans pour savoir si c'est prêt ou pas. Parce que des fois, bon, il faut 3 minutes, mais parfois peut-être un peu plus. Donc voilà, vous vérifiez avec une fourchette, si c'est tendre et que ça passe bien, c'est que c'est prêt. Alors quand les boulettes sont prêtes, comme là, on éteint le feu, on les laisse finir de cuire et on passe aux nouilles pour voir où ça en est. Donc voilà, les nouilles sont prêtes, on éteint le gaz et maintenant on passe à la préparation. Donc voilà, on va mettre les nouilles dans un bol. Hop, attraper les nouilles, on les met dans le bol. Voilà. On verra si ça paraît suffisant pour une personne, je pense que c'est suffisant. Hop, ce que je vais faire, c'est y mettre un peu de l'eau, un peu d'eau, pour pouvoir mélanger le curry. Alors on met le curry, donc selon comment... on aime, si on aime plus ou moins épicé, je pense. Je vais pas tout mettre hein, parce que c'est trop fort. On verra, peut-être j'en rajouterai après. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est mélanger. Hop, je vais peut-être en rajouter. Pour faire un peu plus de couleur. Voilà. Voilà. Alors pour finir, j'ai rajouté les deux boulettes de poisson. Et maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Alors finalement, ça prend 10 minutes à préparer. C'est pas long, c'est du rapide. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine émission. Donc je vais essayer de prendre une vraie recette japonaise, et puis je mettrai la recette sur la vidéo, et moi j'essaierai de réaliser cette recette. On verra si c'est facile à réaliser pour quelqu'un qui sait pas cuisiner ou pas. Voilà, je vous dis itadakimasu, à plus.